Blake et Mortimer ont été invités en Islande en vue d'une conférence au cours de laquelle une nouvelle forme de puissance géothermique doit être révélée au monde entier par la ravissante et brillante docteure Anna Ragnarsdottir. Le centre de recherche géothermique qui abrite cette récente découverte est soudain la proie de nombreux tremblements de terre. Blake, qui soupçonne une tentative de sabotage, échappe à la mort de justesse alors qu'il porte secours aux passagers prisonniers d'un bus coincé sur un pont endommagé. Ce dernier s'avère avoir explosé sous l'effet d'une bombe. Tandis que Mortimer, conduit par un étrange ermite, part à la recherche d'un trésor archéologique caché, Anna est enfermée dans une profonde caverne par le professeur Holsten. Au même moment, Mortimer se retrouve coincé dans une grotte sur un fjord éloigné. Pendant ce temps, dans le centre de recherche, Blake affronte un intrus pris sur le vif alors qu'il tentait de forcer le coffre-fort d'Anna. L'intrus s'échappe, mais Blake découvre sur le sol le monocle d'Ulrich. Les pierres. Continue, mon vieux, et bientôt tu vas te remettre à nous raconter tes histoires de fées. Il a déchiré mes filets. Oh. J'aurais dû utiliser du nylon. J'ai besoin d'aide. Oh là là, je dois tout faire moi-même ici. Allô? Passez-moi le centre, vite! Oui, et le centre de recherche géothermique! Oh, 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 oh. Allô? Pouvez-vous me passer le professeur Holsten? Professeur Holsten, c'est pour vous. Veuillez m'excuser, messieurs. Oui? Allô, boss? Ici Charquet, je crois que j'ai repéré Mortimer. Oui? Où exactement? Au fond d'une crevasse. D'après un témoin, il n'est pas prêt de remonter. À quel endroit? Ah, il faut s'y rendre en bateau. Merci, mon ami. Eh bien, je pense que nous avons localisé ce cher professeur. Où donc? Mais qui était-ce? Un villageois. Il semble que notre cher collègue ait échoué dans le fjord voisin. Je prends la vedette. Non. Nous prenons la vedette. Contournons la pointe. Certainement, capitaine. Certainement. Je pense que l'endroit fera très bien l'affaire. Cher monsieur Holsten. Comment? N'auriez-vous pas perdu quelque chose? Votre arme, colonel Ulrich. N'y comptez pas, capitaine Blake. Où se trouvent le professeur Mortimer et le docteur Ragnarsdottir? Mon cher Blake. Arrêtez, Ulrich! Il ne leur reste que si peu de temps à vivre. Ulrich, nous nous retrouverons. Anna. Anna! M'entendez-vous? Anna! Bon sang.
Le tracard de la légende de Ragnar. Anna. Anna, vous m'entendez? J'espère qu'ils ont retrouvé le professeur Mortimer. Messieurs, le professeur Mortimer est sain et sauf. Mais où est-il donc? Et le capitaine Blake n'est pas avec vous? Justement, suivez-moi. Entrez, je vous prie. Je ne vois absolument rien. Que sommes-nous censés trouver, monsieur Holsten? Mais votre barbe! Oh, vous êtes... Comme nous nous retrouvons, professeur Chateau. Colonel Ulrich. Courage. Il faut prévenir les autres à tout prix. Encore combien de temps, chef? Une demi-heure devrait suffire. Et alors, boum! Il y en a trop peu pour faire sauter tout ça. Ah, c'est bien toi, ça. Nous sommes juste au-dessus d'un des sites les plus instables de la planète. La nature fera le reste. Tout cela devient extrêmement étrange. Oh! Par les saintes culottes de MacGregor! Restez là! Mes guerriers, terre, feu, air, eau. Le feu suit ton destin. Anna! Anna! Élève le vent, évoque le navire. Maintenant ou jamais. Heureux de vous revoir, Francis.
Faut encore un peu frais pour prendre un bain de minuit. Par-dessus le marché, j'ai oublié ma serviette de bain. Là. Que se passe-t-il? Les guerriers de Ragnar. Élève le vent. Qui arrête ça? Mon Dieu, je me fais trop vieux pour ce genre de choses. Personne ne se paiera à la tête de Ragnar Ragnarsson. Vite, les plans de la centrale. Dépêchons-nous, il ne nous reste plus que 10 minutes, et après... Boum! Va chercher l'hélicoptère. Vite, je te retrouve sur la lande. Hein? À la gauche. Incroyable! Mais qu'est-ce que c'est? Ragnarok. Thor. Sketa. Mon île est en danger. Seriez-vous Ragnar? Anna! Terre, feu, air, eau. Partez! Partez! Quittez cet endroit! Tout va sauter! Ils vont faire exploser le centre! Mais que se passe-t-il? Une petite plaisanterie de notre ami Holsten. Ou devrais-je plutôt dire... Ulrich. Ulrich? En personne. Ah, ça commence à se préciser. Regardez, le Schneffel se réveille! Le royaume entier est en danger. La lutte du feu et de la glace a commencé. Par le feu, suis ton destin. Qu'est-ce que c'est encore que cette sorcellerie? Francis, regardez! Les guerriers de Ragnar! Anna semble les avoir réveillés! Dépêchons, Philippe, allons sauver les autres. Et... je vous accompagne. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Rendez-vous, Ulrich. Jamais! Culotte de MacGregor. La lave se dirige droit sur le centre. Francis, nous nous chargeons du centre. Très bien. Dans ce cas, je me charge de Ulrich. Tenez, prenez ça. Vous pourriez en avoir besoin. Sato! Fuentes! Monsieur Einar!
Ils ont piégé tous les appareils. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Il s'agit d'être très prudent, sinon tout va sauter. Il a dû passer par là. Vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh là là, faites attention! Nous n'avons plus le choix, mon cher. Il nous reste maintenant moins d'une minute. Seuls deux fils sont connectés à la bombe. Les autres ne sont sûrement qu'un piège. Mais lesquels? Le rouge, le bleu ou bien l'orange? À moins que... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, professeur! Je faisais toujours ça quand j'étais chez mes parents et que je ne voulais pas aller me coucher. Les systèmes de sécurité. L'air devient irrespirable. Au secours! Au secours! Oh, vous, mes guerriers, par le feu, suivez votre destin. Curieux, la lave s'est arrêtée. Oh, grand Dieu! Et que se passe-t-il? Nous avons entendu le volcan gronder. Nous sommes hors de danger à présent, messieurs. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Sortons d'ici, vite! Je dois bien admettre que je suis un peu surpris de vous revoir, cher capitaine Blake. Mais c'est très certainement la dernière fois. Auriez-vous l'obligeance de poser votre arme à terre? À présent, veuillez mettre vos mains sur la tête et approcher. Un peu plus chaud que le pain que vous m'aviez réservé, Ulrich. À bientôt, capitaine. Misérable canaille! C'était moins une, capitaine. Mais la prochaine fois, je ne vous raterai pas.
Eh bien, il n'y a plus qu'à retourner à la planche à dessin. Les guerriers de Ragnar! C'est pour toi, ma fille, en souvenir de moi. Prends bien soin de ma descendance, je dois retourner au royaume des ténèbres. Anna, Anna, est-ce que ça va? Oh. Philippe, j'ai fait un rêve des plus étranges. Les guerriers! Les guerriers! Ils ont arrêté le volcan! Oh, il faut voir ça! Venez vite! Oh, du très bon matériel! Il y a ici assez de choses intéressantes pour pouvoir ouvrir un musée en l'honneur de Ragnar. C'est vrai, mais qui aurait le temps de s'en occuper? Ah, j'ai bien une petite idée. Le centre, les plans? Je pense que nous pourrions y travailler tous ensemble. Il ne serait plus question de secrets susceptibles d'être dérobés. Et moi, je mets mon centre de la Tierra del Fuego à votre service. Tous à Ragnar! À Ragnar!